Bonjour à tous, je vous emmène avec moi pour découvrir cette pépite de Cheryl Yambrache Rose, Le Voyage Sacré, qui est édité aux éditions Vega. Donc je regarde aussi, regardez, le coffret, la couleur, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Je le trouve super beau. Donc dans ce coffret, vous avez 45 cartes aux couleurs vibrantes, avec un livret d'accompagnement de 64 pages, un sac satiné pour protéger vos cartes. On vous dit, sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source. Cheryl réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques à travers un vortex de couleurs d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portraits qui nous conduisent tout droit vers un état profond et éclairant, nous connectant aux mentors, aux messagers et à la magie dans le monde dont on a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration des plus élevées. 45 cartes donc, sont connectées aux Pléiades, sept sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements, des légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine et des révélations actuelles, donc chamanisme, dans le but de vous apporter clarté et guidance. Donc voilà, on va découvrir le coffret donc, en dur, qui est super beau. Franchement, mais même l'ange là, je trouve ces images mais magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. Hop. Donc, le petit livret, vous allez voir ici. Nous avons donc, elle est magnifique, le sommaire, voilà, l'introduction, suggestion de tirage, voilà, après chacun fait comme son ressenti, hein. Et là on a les cartes. Donc par exemple, la première, on vous dit préserver votre savoir. Donc, c'est la gardienne du réceptacle sacré. Donc, vous avez un petit message et vous avez ce message-là. À la fin, comme ceci. À propos de l'auteur. C'est vraiment des pépites, hein, ces tableaux. Ça, c'est des vrais, des personnes qui sont vraiment artistes. Hein. Donc, le petit pochon. Voilà. Le derrière des cartes, il est sublime. La tranche, elle est simple, il n'y a pas de couleur. Et je vous laisse découvrir les cartes. Thank you.
Voilà pour la présentation de ces cartes. Donc vous avez pu voir, hein, c'est magnifique. Mais vraiment, celle-ci, elle est trop belle. Elle est trop puissante, je trouve. Aspirez à vous élever, élévation de la conscience. Elle est vraiment bien représentée. Enfin, elles sont toutes franchement magnifiques. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à l'acquérir parce que c'est une pépite. Encore une belle découverte. Et quant à moi, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.